Bonsoir YouTube. Bonsoir YouTube. Dites bonjour aux pompiers YouTube. Bonsoir les pompiers. Bon, moi je vais à la conquête du Nord. Je vais aller voir, je veux check mon buddy, je vais aller voir ça. Oula, par contre c'est un peu gros comme... Alors oui, ce véhicule n'est absolument pas adapté à la route. À droite. Non. De la merde. Par contre, tu remarqueras qu'il ne consomme absolument rien. Ça à droite, hein. C'est de la merde. Non, non. C'est un tacard, certes, hein. Je savais que tu disais de la merde. Tu disais bien que c'était à droite depuis tout à l'heure, vraiment. Un tunnel par là, hein. T'as vu, c'est écrit sur le panneau. Le panneau Babelix. Merci. Oh, mais il y a des graffitis sur le tien. Pas la même carrosserie que moi. J'ai mis une peinture. Wow, wow, wow! Ah ouais, sur route, c'est la mort. Hein. Oh, c'est compliqué, hein. Mais ouais, attends, tu fais de la boue. Et tu vas trouver le vécu génial une fois que tu vas être dans la boue. Oh, je sais pas, pour l'instant, on passe un mauvais moment. Hein. Ouais, ouais, bah regarde dans la boue. C'est de la neige. Mais attends qu'on soit dans de la boue. Non, c'est pas mal, en tout cas. Ça avance. Ah, c'est léger, c'est agréable, et au moins ça tient la route. Par contre, quand t'as des pneus à moitié plats, moitié dégonflés pour accrocher dans la boue. De toute façon, sur ce véhicule, tu n'as que des pneus boue. Tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as que des... Que des pneus boue, pour la boue. D'accord. Adapté à la boue. Ce véhicule est fait pour rouler dans la neige, pas dans la neige, mais pour rouler dans la neige quand même. Ouais, dans la merde. Ah, et sache aussi un truc, c'est que, bah, je me suis retourné. Trail autonome, bien sûr. T'as acheté le trail autonome. Bah, j'ai pas claqué 9000 balles là-dedans, t'es un grand ouf. T'as raison, c'était trop cher. Bah, en fait, je préfère garder 9000 balles pour acheter une remorque quand on en aura besoin. C'est pas faux. D'ailleurs, tu te trimballes l'argent de toutes tes autres campagnes. C'est l'argent, c'est fixé à ton joueur. Ah oui, d'accord. L'argent. Ah oui, donc t'es déjà ultra blindé, toi, en fait. Moi, j'ai quitté 9000. Ultra blindé. J'ai que 19 000 parce que j'ai payé des améliorations sur mes camions. Hein. Mais ultra blindé. T'as l'enfoiré quoi, j'ai à peine 7000 balles. Et j'ai pas acheté une seule. Enfin si, j'ai acheté juste l'amélioration de que tu m'as dit de moteur sur celui-là. Parce qu'en fait, ce véhicule-là est donné avec un moteur de base assez médiocre. Mais il t'offre le choix. Non, non, bon, c'est vrai. Hein. Tu passes de B- à. Même pas B, t'es en dessous B. Oui, t'es assez, tu passes à A+, ouais. Ouais, donc en fait, ça vaut largement le coup de dépenser un peu d'argent sur ce véhicule, sachant qu'après, tu jamais tires touche, quoi. Tu jamais, tu changes moteur. J'avoue. Par où t'es passé? T'es passé à gauche? Non, c'est par là-haut. Ah ouais, je suis un routier, moi. Oh! Oh, il se passe des choses, hein. Il se passe des dingueries, hein. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, tu fais des belles glissades, tu vas trop vite au bout d'un moment. Dès que la route commence à redescendre un peu, ça se passe de manière un peu compliquée. Bah justement, tiens, faut que j'aille à droite. Allons voir ce tunnel. Que me dit ce tunnel? Ce tunnel t'emmène quelque part d'autre. Oui, justement, je vais voir, je vais le débloquer. On l'aura. Ouais. Afficher les détails. Ce passage semble bloqué pour le moment. Il y a écrit chez. Mais il y en a un autre qui est déjà débloqué. Le prochain est déjà débloqué. Celui-là, je suis même pas allé chercher sur ma campagne principale. En plus, je me spoil pas, je vais que sur les cartes qu'on a déjà fait. Sur lesquelles on a déjà regardé tous les deux, un petit peu. Ah, tu fais ce que tu veux, hein. Tu peux te spoiler tout ce que tu veux, faire tout le fric du monde, y a pas de soucis. Donc ça, bah après, on fait moins poroter YouTube. Et on peut leur faire un super épisode 2. Oh, je suis retourné, tu peux venir me chercher ou pas? Ah, je peux pas parce que je vais commencer ma course. Non, viens me chercher, je suis à côté. Ah, je sens que t'es loin là. Non, je suis à côté. Oh, t'es si loin. Non, viens me chercher. J'aurais pas pourquoi je ferais ça. Tu me dépannerais pas quelques dizaines de milliers de dollars? Si tu veux, je te prêterai des camtars forts quand j'en aurai.
Mais il n'y a plus les gros véhicules super pétés comme le D537 dans le jeu. C'est dommage. Là je me casse, hein, j'en ai plein le cul. Appel de phare. Ah, ça marche bien. Non, en vrai le jeu a bien step up. J'apprécie surtout qu'il y ait une petite campagne pour une fois, justement, les cartes soient liées. C'était vraiment un des points que j'avais abordé sur MadRunner. Je croyais qu'il était dommage qu'il manquait vraiment. Donc je te traîne jusqu'où comme ça en fait. Si tu pouvais juste me redresser s'il te plaît, au lieu de me mettre des dégâts. Ah, il faut que j'arrête de te mettre des dégâts en plus. Pas très intéressant. Rapproche ce genre sur le côté. Non, là tu viens de m'en mettre 10. Merci. Ouais, je vais m'en mettre 14. Non, je t'en ai plus plein là. Il y a toujours cette espèce de dégâts moche modélisé noir bizarre un peu nul, tu vois. Ah oui. Oh, c'est kitschou quoi. Ouais. Et t'as vu, t'as pas pris de dégâts là normalement. Ouais, non, mais c'est parce que j'avais pas de vitesse non plus, que j'ai juste appuyé mon pneu contre un truc en béton quoi. Vas-y, je te laisse activer, je sais pas si ça va me l'activer aussi, la mission. Tu sais que vraiment en le faisant avec celui-là, tu peux choper la récompense max super vite. Alors. Il n'y a que 2700 balles à gratter, mais allons-y. Et c'est quoi? Faut juste aller voir des points, c'est ça? Ouais. Ah, il y a un temps, mais qui est caché, c'est ouais. Ça? Non, tu dois faire moins de 11 minutes. Tu l'as fait du coup? Tu l'as activé? Ah ouais, c'est actif. Ah, mais t'as pas là, conquête montagne du nord, là, qui défile si, en haut à droite? Attends. Ah non, moi je l'ai pas. Mais toi, fais-la. Moi j'ai déjà fait en fait, mais mon temps c'est 4 minutes 20. Avec le canne. Donc celui qu'on a là. Le mec doit faire son petit plein entre temps. Il y a un petit truc en béton là. Yes, par contre je sais pas trop par où il faut passer pour aller là-dedans là. Nous, on dit qu'on passe à gauche, puis après on se balade quoi. On passe c'est par ça, là, en fait, tu pouvais directement partir de la maison pour tracer à travers la montagne. Ah, je savais le pas. Le canne. Attends, je vais te suivre dans le doute, au cas où tu te retournes pour pas que ça te nique un truc. Parce que nous, on était déjà passé plus ou moins par là, là, mais il n'y a pas d'opportunité de. Non, non, non. Ouais, donc en fait, je me suis bloqué, je me basais tout seul là en fait, en train de. C'est ça, fais demi-tour, viens, fais demi-tour. Fais demi-tour tout de suite, on retourne à la maison et tu vas juste passer à travers les arbres comme un gros bourrin en faisant attention de ne pas retourner ton véhicule. Ouais, mais trop tard, je suis déjà en retard, il y a 1 minute 40 d'écoulée là. Mais c'est pas grave, faut que tu fasses ça en moins de 11 minutes. Le parcours prend 5 minutes à peu près. Ah, mais pour avoir le max, c'est 11 minutes? Ouais, pour avoir le max, t'as 11 minutes, t'as le temps. Je te jure. Alors tu feras gaffe dans la route en montée, hein, c'est un peu l'apocalypse. Et sinon tu peux l'annuler et la recommencer en repartant d'ici. Ah, ce qu'on va faire, hein, dans le doute. Hein. Donc on voudrait le recommencer. Voilà. Et tu pars d'ici. Je veux pas là, il casse les couilles. Ah si, c'est bon, c'est relancé. Okay. Voilà. Et maintenant tu pars juste en face. Tu traces à travers la maison et les obstacles. Tu mets un point sur celui que tu vas atteindre et tu vas. Voilà, genre B. Admettons. Voilà. Vas-y. Tu mets un point. Un tu regardes dans quel point il va à peu près. Mais il marque un truc là, vas-y choisir.
Je sais pas, je sais. Moi, je, j'arrive pas à mettre de marqueur, ça me fout. Ouais. C'est pas grave, vas-y. Je te suis, tu te rattrapes au cas où. Et donc, Osef, là, les petits sapins, là, Osef, là. Essaye de slalomer à travers, parce que si tu es tu risques de monter dessus, en fait. Ah ouais, par contre, ça monte, hein. Ouais, ouais, même la glissade. La glissade mortelle. Non. Tu as un monster truck, voilà. Oh, trop bien. En plus, quand tu te mets en lente avec le bloc différentiel, là, c'est fini, hein. Là, tu mets si tu veux, t'es un caribou. T'as officiellement un des meilleurs véhicules d'exploration que dans le 1. Alors, il y en a deux qui sont là-bas, il y en a deux par là, trois par là. Je te conseille de faire ceux de droite, c'est les plus chiants. Ouais, c'est ça en fait, hein. Je me dis, il faudrait peut-être aller chercher les. A et B sont chiants et ouais. Les ceux d'après se font relativement facilement. Wop. On va y aller avec le cul. Et ben voilà, moteur calé. Ah, t'as appuyé sur une touche là. Ouais, j'essaie de démarrer du coup pour voir si ça va tourner mieux. Je repasse en hop, tac, tac. Merci. Hop. Ouais, évite ça. Hein. Le point d'équilibre est vachement aussi. Hein. Et encore, on est pas si mal. Ah bah, trop tombé, voilà. Attends, je me place juste correctement pour te choper en arrière. Est-ce que je peux m'accrocher à toi? Ouais, hop. Hop, ouais, c'est tâche. Voilà. Et surtout, quoi qu'il arrive, quand tu sens que ton véhicule commence à tomber, accélère. Essaye pas de freiner, accélère. Bon, bah, c'est parti, hein. Go la colline d'en face. T'as fait des dégâts? Aucun. Zéro. Que dalle, le jeu, il a dit. Ah ouais, non mais, ce véhicule est un caribou. Je me suis retourné. Vas-y, continue ta quête, je reviens. À moins. Ouais. T'es accroché automatiquement à autre chose. Ouais. Accroche-toi à mon flanc qui est en l'air et juste tire-moi pour me faire un tour. Voilà. Il peut vraiment sur les routes. Merci. Vraiment, tes véhicules sont trop bien. Moi, j'ai même vu se le conduire. Non, là, par contre, je suis pas sûr que tu passes. Hein. Pardon ? Tu m'as dit que j'avais un monster truck. Toi, tu m'as menti. Ça va, t'es encore en marche ? Ouais, ouais. Des dégâts ? Le moteur, il a calé. J'ai pris 7 dégâts, mais de moteur. Mais en vrai, ça va très bien. Par rapport à ce qui s'est passé, mais putain, par contre hein, c'est sympa où tu fais l'amour à des branches, tu sais pas c'est quoi la branche là qui te fait l'amour, mais ouais. C'est l'abus quoi. T'emportes tout ton châssis là. C'est pas ton... Putain. Attends, faut que je passe en auto. Pour mettre ma marque arrière. Normal. J'ai rien passé, monsieur. Ouais, la montée prend la bien droite, hein. Pleine puissance. Ouais, bien droit. Je mets tout ce que j'ai, mais là on ira pas plus loin. Bien droit, comme ça, là. Regarde, suis la montagne. Je veux bien, hein, mais je suis dans le petit creux, là, et ce creux-là, il veut pas passer au-dessus, quoi. C'est assez haut, mais je vais rouler sur le côté. C'est normal. T'as l'envers le drift, non? Attends, mais t'as l'envers, là? Pardon? Je te vois rouler sur le capot? Mais non. Mais si.
Mais non. Ah mais merde. Oula. J'arrive. Oula. Oula, le crash un peu sale. Le freeze, le fameux. Oh, je me suis retourné aussi. Je suis de merde. Est-ce qu'on a un mec, c'est une défaite? Oui. Est-ce qu'on n'irait pas faire autre chose pour passer cette humiliation? Ça va pas être possible de suivre. Je peux pas. Je peux pas accepter. Je peux pas accepter que ça se passe comme ça, quoi. Je vais être obligé d'y retourner. Si tu veux. Surtout que maintenant je commence. En fait, surtout que c'est ça que j'aurais dû faire, surtout c'est d'attaquer le jour et pas de nuit. Aussi. De nuit, je voyais vraiment pas où j'allais. Je me dis, bon, bah vas-y, je pars comme un touriste. Et je te conseille de faire AB en premier. En commençant bien par A. Parce que si tu vas chercher B, tu pourras pas aller chercher A correctement. Ou revenir de A en fait, de manière optimale. C'est limite sur route, tu te mets en vitesse lente et quand t'es en tout terrain, tu te mets en full auto. Oh, moi je me mets en full auto tout le temps. Hein. Ouais, casualisation de la loi du marché. Hein. Rien à foutre. Du Congo ? Full auto. Vécu continue d'aller tout droit sur la route alors que tu lui as demandé de tourner. Ça c'est l'enfer. Et un petit dégât sur les amortisseurs. Un. Encore un. En vrai ça va, je trouve que le jeu est vachement moins pute sur les dégâts qu'avant. Ouais. Parce que là même les pneus, hein, ils devraient avoir payé déjà tellement cher. Bah après tu me diras, les pneus sont assez sous-gonflés, mais bon, ça tape ta jante. Hein. C'est, et en vrai, ils sont pas si sous-gonflés que ça. Hein. Non, non. Ah, ils sont sous-gonflés comme des pneus boue, hein, pas légèrement déformés, mais pas plus. Ah. Oh, le petit strike, encore un. Hein. Je suis à 3 dégâts d'amortisseur en tout et pour tout, ça va très bien. Oula! Ah, mais les... ah, on est l'un dans l'autre. Tu m'as tué. Chet. On va essayer de me coller d'aussi près. Ok, c'est bon, ça repart. C'est bon, ça va redémarrer quand même. J'ai pris un 14 parce que j'ai freiné pour pas te rentrer dedans trop fort, tu vois. Mais le temps que ça freine, bah, j'ai tapé. Et après, ça m'a rollback à fond la caisse et j'ai pris un 38. Ah oui! Ah, t'as pris 50 dégâts quand même! Ouais, ouais, ouais. Combien il me reste de points de vie dans mon véhicule? Le moteur a 120 PV, il m'en reste 43 temps. Ah oui! T'as déjà pris cher. Ouais. Par contre, il n'y a que le moteur qui a pris, hein. Le reste, tout fonctionne. L'autoradio, tout. Ah, le poteau du j'ai oublié de freiner avant de tourner. Ah non, j'ai freiné, mais ça juge pas tourné en fait. J'ai freiné et tourné, mais non. Et le comportement sur la glace est très bien fait. Parce que, effectivement, si tu tournes. La glace, ce qui est très marrant, c'est que ça tourne dans le sens opposé de là où tu veux aller. Ouais, non, c'est cool. Le jeu est bien. Il y a plein de petites améliorations par rapport à MudRunner, mais il y a plein de petits trucs qui me manquent aussi. Qui étaient bien avant. Comme. Les gros camions russes quoi. Ça. Mais peut-être qu'on les aura en Russie hein. Là du coup je vois pas pourquoi du coup, je devrais monter là tout de suite. En fait ça a pas d'intérêt du coup. Faudrait que j'aille tout de suite là genre taper à droite et chercher la montagne de A et point barre quoi. Tout à fait. Alors fais attention de pas te retourner. On bosse dessus. Ce qui est bien, c'est que mon moteur est tellement explosé que du coup, je peux, même en automatique, je vais pas suffisamment vite pour me retourner. Attends, j'étais en train de faire du deux roues là. Hein. C'est ce qui s'est passé oui. En fait, d'accord. Très bien, c'est ok. Voilà, caméra dans ce jeu, putain, c'est l'enfer.
Elle est un peu compliquée, hein. Ouais. Des fois, un sapin suffit à foutre ta caméra en l'air. Hein. Bah là, j'étais en train de prendre la montée et ma caméra, elle a changé 6 fois donc de vue en... Ok. Donc, on chausse au sommet du A. Et là, maintenant, tu vas à gauche pour aller chercher B. En redescendant par là où on est tombé tout à l'heure. Tu vas remonter tout le temps la montagne, peut-être passer à gauche. Pas être renversé. On a l'air d'être bien là à gauche, hein, ça sert de vrai. Passer à gauche et après en tournant un peu, voilà. Hop là. Ah, c'est marrant, on a creusé. Je creuse suffisamment cette neige pour révéler de la roche, c'est très rigolo. Et avancer, ouais. Ouais. Il y a quand même une belle mémoire des formes hein, dans le jeu. Ensuite, le plus proche, c'est. Pression. Je prendrais celui de gauche, celui qui est tout à gauche, je ferais, si j'étais toi. Le plus loin à gauche. C'est. Est-ce que je peux rajouter un marqueur? Je peux pas. Choisir un marqueur là. Tu me le marques. Je marque rien du tout. Et ouais, écoute. Parce que cette distance, le problème c'est que j'arrive pas à savoir lequel est le prochain là, ton niveau. Faut que tu prennes celui qui est le plus loin à gauche parce qu'en fait c'est celui qui est le plus haut et le plus complexe à atteindre. Oh, c'est dans les arbres là, c'est la merde. Attends. Désolé. Non, le level design est relativement intelligent. Hein. Les arbres sont jamais trop serrés et tu peux quand même rouler. Bon, faut que tu finisses en main. Ah, t'es planté? Ouais, je me suis retourné encore. Oh. Bah, toi super. Alors, attends, moi tout n'est pas perdu. Hein. J'ai fait un tonneau. Un tonneau. Ça s'appelait Onin. Non, des petites nains. Faut acheter le jeu. Oh, comme ça des tonneaux. J'aurais pas compris, donc c'est pas grave. On est bien quand même. Alors. Hop là, essaye de te mettre bien, pas trop patinex. Voilà, montre-moi ça. Ok. Ouf. Un petit dégât moteur. Le A, le B, le D sont les plus durs à atteindre. Ok, ça attend. Les deux derniers. Ok, ça passe. Le sport, hein, cette histoire. Ok, plus qu'un. Ah oui, je comprends ouais, pourquoi tu vas chercher... De toute façon, une fois que t'es dans cette montagne-là, j'avoue, les trois, ils sont collés les uns après les autres, c'est vraiment... C'est plus facile. Et c'est plus facile de redescendre que de monter. Un petit peu. Voilà. J'ai été promu. Au rang 4 et j'ai gagné un peu de pognon. Voilà. Bah c'est fait hein. Et là maintenant. Passage vers Vallée Blanche. On a toujours le chrono de conquête montagne du Nord. Il saoule en fait là. Comment? Ça saoule en fait. T'as Est-ce fini? Que du coup on va pas chercher tous les deux une tour de. Qui sert à révéler, là ce que je te proposais. Principalement, c'était d'avancer le plus possible sur la gauche afin d'aller te chercher le camion de la carte, le camion abandonné de la carte. Oui. Et une amélioration. Ok, bah écoute, pourquoi pas. Donc tu fais récupérer, tu reviens.
Ah, tu veux carrément que je revienne comme ça, genre? Bah ouais, ouais. Parce que si c'est pour aller tout à gauche... Ah oui, mais tout à gauche nord ou tout à gauche sud? Tout à gauche sud, près du port. Ah, d'accord, ça explique des choses. Ah oui, s'il nous ramène au fameux débat qu'on a eu tout à l'heure. Qui était de dire... est-ce que... pas dans le jeu? Est-ce que... Voilà. Est-ce que je m'amène pas aussi avec mon... Genre un de mes véhicules, chercher le... Bah bah, je vais le trouver. Hein. Le... Pour aller chercher le land machin, là. Le Lodestar 1700. On peut faire ça après avoir atteint ce camion. Ok. Parce qu'en fait, ce sera sur le retour. Donc si jamais on survit avec nos 4x4 sur le retour, et à l'aller, on pourra aller le faire. Parce qu'en fait, le Lodestar n'est pas si difficile à atteindre que ça. Et je pense que pour se faire avancer, il faudra un autre camion, et ce qui va s'abîmer et tout. Donc je pense qu'il faudra que je ramène un camion de réparation. J'ai pas fait cette quête là, donc je peux pas te dire. Ok. Et bah ben, allons-y. Faut juste aller chercher la tour qui est tout au fond. Pour que tu puisses voir. Ah, ça c'était le caillou vengeur qui t'a envoyé dans la neige, n'est-ce pas? Ouais, plus ou moins. Ah, ça... Après, c'est bon, j'avais déjà commencé un peu trop décalé, mais. Ouais, par contre, il aime pas trop la neige non plus, hein, le petit. Ouais, non, c'est... Oh, je te remercie. Oh, t'as fait des dérapages! Ouais, ouais. Faire un petit treuil sauvage là. T'as pas trop kiffé sur le coup. Bah alors, un petit peu de neige, hein, je crois quand même. Il m'a trompé sur le. Tu l'as mis un stop, mon salaud. Mais t'as une nouvelle peinture aussi, que tu t'es payé de peinture avec des cartes de poker non, et tout là. Non, non, c'est la peinture d'LC. La peinture que tu niquais pas avec le. Chaque véhicule a une peinture spéciale avec le. Avec le comment ça s'appelle. Pourquoi je l'ai pas du coup? Parce que tu l'as pas choisi. Il faut les équiper en fait. Donc la customisation? Ouais, à droite, en fait tout en haut à gauche, t'as plusieurs petits overlays. Tu peux changer ta carrosserie aussi. Ah, ça je connais, ça c'est une rambarde. Ouais. Je tentais des slides, tu sais, on tente des tricks, c'est pas pro skate runner 1. Tu vois ça? Tu peux arrêter de pousser, oui! Couillou merde! Mais. Tourne pas, hein! Piqué, hein! La tournante. T'accélères en essayant de tourner, plus jamais tu revois le véhicule. Oh les dégâts dans les. T'as vu combien? Dans les amortisseurs, je sais pas, 29 et je sais pas vu. Il m'a mis un petit double dégât. Ouais ouais. Oh amortisseur en dégâts. Là faut ralentir parce qu'il va falloir partir en hors-piste. Ah ouais? C'est pas ouais. Ce que je suis en train de faire là. Mais qu'est-ce que. C'est n'importe quoi comme camion. Mais c'est trop bien. Ah mais c'est par contre oui c'est très rigolo. Attends, c'est pas celui-là que je voulais. C'est pas celui-là que je voulais. Mais frein à main, putain. Voilà, allez, c'est parti. Recule. Marche arrière. J'ai mis mon frein à main. Hein. Je vais, hein. Bonjour. Et là on part à droite. Et par contre là c'est que de la boue et tu vas voir que le véhicule est incroyable. La sensation de. T'as vu une fois que t'as touché la boue ça arrête de glisser hein. Ah ça fait plaisir. Tiens c'est un sapin, je vais le couper avec la voilà. Bon je prends un sapin. Bon par contre là c'est de la neige, là c'est fini, ça part en couille. Oh ça va. Reste un peu dans la boue là, ça se passe. Interneige. Ah oui, bah, par contre, dès que tu mordis sur les côtés là. T'es attiré, t'es aspiré dedans, c'est un peu. Ah oui, c'est aspiré dans la neige direct. Mmh. Oh, oh. Mais dès que dans la boue, c'est incroyable comment tu t'amuses.
bon, en même temps le véhicule est fait pour ça. Allez, un petit tour de. Un petit coup de gear différentiel là. Ah même pas, moi je reste en auto. Ah t'étais en auto? Moi, je suis un américain mec hein. J'ai pas de frein, j'ai juste une pédale d'accélération et un frein de parc. Vas-y va tout droit, va tout droit, on va chercher la... On va chercher le truc. Le tour de guet. Ouais. Ah c'est marrant, il a gardé mes traces du premier passage de mon camion. Ah ouais? Pas moi, ouais. Moi je les ai pas. Ouais je les vois. Attends je vais peut-être hop passe en quoi, première avec le différentiel et tu vas avancer. Ouais je pense que t'as meulé le terrain avec ton camion, toi. Ouais. La mémorisé. Bah surtout en haut. Hein. Ah en haut Parce que toi tu vois vraiment que de la neige? Moi je vois que de la neige, mais une fois que j'avance en fait dans tes traces, je m'enfonce aussi. Ouais, c'est ça dans en fait, c'est la seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que la mémoire du truc mais il n'affiche pas. Pas pour moi, parce que moi je suis le mec qui rejoint. Donc c'est normal pour éviter qu'il y ait trop de trucs qui chargent. Voilà. Et normalement, tu dois voir en bas à gauche un camion. Le Royal BM17. En grisé. Le Royal BM double pied 17. Par là, là. À gauche. Ouais, je vois. Allez, c'est parti. Il y a des chutes de pierre aussi. Ouais, mais ça, on s'en fout pour l'instant, parce qu'on ne repassera jamais par cette route-là. Oh, ça t'arrive beaucoup de développer. Alors, on va sauter tout de suite d'ici. Donc, d'ici, on va partir dans la neige. Un Suicide Squad, là chercher... Ouais, là, on va aller chercher l'amélioration, en fait. T'es dans un endroit de merde. Même en étant dans ton sillage, je vais pas plus vite. Non, on passe en première avec le bloc diff et let's go. En vrai, ça ne change pas grand chose, à part que tu meules moins le terrain. Mais est-ce que c'est un intérêt de moins meuler le terrain? Je sais pas. Oui, tu consommes moins. Ouais. Je suis un rallye 3. Moi, je suis un rallye 3. Ah, est-ce que je passe au bon endroit? C'est une vraie question. Non, mais c'est pas grave, on va reprendre la route. Fais attention de descendre par ici. Tant que tu continues à avancer, en fait, ton véhicule ne se retourne pas. Bah j'avoue quand hein, tu rebondis pas, tu glisses pas, là tu bouges pas en fait. Hein. C'est ça qui est intéressant par rapport à quand je faisais le couillon sur la montagne là. C'est extrêmement solide. Hein. Je suis un caribou. Par là, faut juste que je m'arrête 3 secondes pour regarder la carte. Ok, donc c'est en face. Ok, donc là faut qu'on descende. Alors rien de bien parce qu'il y a un petit passage entre les arbres là. Faut aller dedans. Et là on peut repasser en auto. Allez, c'est parti. Ah, j'ai un. C'est égo ça. Ah, allez à droite. Parce qu'on est en moto de toute façon. Ouais ouais là on est sur là on est. Ah je suis sur la. Je suis sur le pixel de la branche d'enzo. Vas-y passe, allez devant, amélioration. Ok, j'ai récupéré un AWD activable. Voilà. Ouais. Du coup, on est plus très loin de l'autre Camtar là. Ouais, et on y va. Donc, faut que tu longes le rebord de la flotte. Après avoir vu, on peut essayer de gratter une route là dans les environs là. Ouais, mais il faut que tu longes la flotte. Si tu passes dans la flotte, tu vas couler dedans. On va envie de tester un peu mieux. Ah, vas-y. Hein. Ça se passe très bien. Pourquoi moi je ne peux pas récupérer cette amélioration? Tu as peut-être déjà déverrouillé en solo, du coup elle est déjà acquise. Ouais, je l'ai, ok. Ouais, ouais, non, mais. Okay. En fait, tout ce que tu débloques en solo est déjà acquis en outil. Ouais, mais je vois le camion. Donc, c'est-à-dire que je peux peut-être le voler aussi. Oh! Bonjour, ça!
Oula, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui m'a emmené si loin? Ah, c'est cette branche de mort là qui me... Pas très bien pour ça, hein. Ouais, tu utilises un petit treuil, hein. Donc ça plonge un peu d'un coup. Par contre, après, t'es dans la boue, donc ça se passe tout seul, quoi. T'as même pas besoin de treuil, t'en sors tout seul, en fait. T'as un tank, le truc. Tu te mets en 1, le différentiel, tu passes ta marche avant, et t'appuies sur Z, tu te déplaces. Ouais, bon, avec un petit coup de treuil, j'ai assuré. En fait, la branche me faisait un peu faire des effets de bascule que j'avais pas trouvé. Tu as loupé le véhicule, qui maintenant. Ah bon? Ouais, il est dans les arbres à gauche. Je sais où? Ah oui, il est dans les arbres à gauche. Ah oui, et à ta hauteur dans les... Putain, je le vois même pas de là où je suis. J'arrive, je marche arrière. Bien connu, hein. Ah, passe tout seul. On fonce un peu, mais... un peu de place. Et là t'avances entre les arbres et tu dois le voir ton cul là. Tac tac, qu'est-ce qu'on peut changer dedans. De camion. Ouais, et tu as récupéré. Exactement. Les schémas c'est toujours compliqué à récupérer, il a du mal hein. Alors si tu m'avais dit c'était V, sinon le menu, voilà, merci. Ouais. Récupérer. Je sais pas pourquoi sur ma manette il aime pas du tout l'idée. Est-ce que tu veux bien me renvoyer dans mon camion? Ah, c'est bon, on est bon. Ok, attends, excuse-moi, il faut que je recule. Ouais, putain. Pas de soucis. Faites vraiment le système de vie. Là, on repart et on va faire la mission du Loadster. Loadster? Ah oui, du Loadster. Oui, yes. Yes, I know. Bah, ouais, écoute, on descend. Pas d'autre chose à faire en fait. Si on aurait pu, alors si en fait, si t'abuses, on aurait pu monter, aller checker cette espèce d'usine là qui est pas déverrouillée. En fait, c'est juste parce qu'on n'est pas passé dessus, mais il y a une quête à faire et tout, mais on pourra la traver plus tard quand tu. Non, mais c'était juste pour le déverrouiller qu'on ait les emplacements, les machins, les trucs, les binous quoi. Mais on peut avoiner aussi tranquille. Vraiment, enfoiré. Tout seul comme ça, moi j'aime bien l'idée. Hein. Change de tour là. Ouais, change de tour. Je suis en train de dire en fait la détection. Je vais te pousser là. Mais elle me pousse pas, justement. Si je te pousse. Non, elle me pousse pas. Mais je te pousse. T'es en train de t'enliser là. T'es en train d'enfoncer mon avant en fait en me poussant. Bah oui. Ça super bien. Là on est la club. Bon, dans la boue bien, mais dans la boue amphibie moins bien. Voilà, dans ouais, la boue noyée moins bien, évidemment. On ouais, est bien quand même. Alors, en vrai, ouais, ça sort carrément bien. T'as, en plus, t'as déjà un snorkel, hein. Regarde, en haut à droite de ta cabine. Ouais. Ce qui veut dire que le moteur peut être complètement immergé, t'as pas de soucis normalement. T'as pris des gars là? Non. Ouais. Ok. Non. Non, aucun. On peut aller chercher du carburant si tu veux, il y a une station de carburant à côté. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Moi je suis à 23 litres. 19. Ouais, bon, on peut. Attends, c'est temps. Ouais, c'est vrai. Ah, je crois, attends. Ouais, c'est ça. Moi, je veux pas, je prends le captar et je vais, hein. Ouah, j'ai atteint le terrain que t'avais meulé tout à l'heure. T'es kiffé où?
Oh, j'avoue, je me suis enlisé d'un coup. Même sur le côté, hein. Ouais, parce que ça a touché la neige. Oh, tu veux l'aide ? J'ai entendu non, c'est bon. Ouais, non, mais j'en ai profité juste pour m'aider à me redresser un peu, voir si ça a donné de meilleures accroches et tout, mais... De toute façon, là, je fais de la minage mi-boue, mais moi, dans la boue, en fait, j'ai la boue. Ouais, en fait, tu te mets dans la boue plutôt que dans la neige, t'avances plus vite. Non, mais la boue très liquide, il aime quand même pas, hein. Bah... Ouais, mais... En fait, il... Mais il avance quand même, hein. Inexorablement. C'est ça, en fait, c'est... La boue arrêtera n'importe quel véhicule. Non, on va faire des pneus plats, tu vois. Large, plat et sous-gonflé. Et énorme. Par contre, il avance tout seul, hein. C'est... Tu lui mets un terrain de merde et il avance tout seul. C'est pas comme nos gros camions qui galèrent, mais c'est pas qu'on se parle. La ouais, même chose. Nos gros camions, ils galèrent pas trop. Il est où le long de machin là à récupérer? Ah, mais t'es pas passé au bon endroit, moi j'ai continué tout droit comme un bourrin. Hein? Ah, yes! Yes, en fait, oui, je vois où je suis. Ah, il y a une. Il y a un semi-remorque à carburant là. Oui, c'est ce que je te parlais pour faire le plein, si tu voulais. Oh. Bah écoute, j'y suis. Bah écoute, je vais faire le plein. Vas-y, fais le plein. Hein. Bon, tu ramènes là, tant qu'à faire. Pardon. Je me dors à la taille de la remorque, je fais. Elle va pas être plus souvent que celle-là. Ah bah en plus elle est découverte, merci, je prends 30 parce que c'est bien de me préciser le genre de détails. Je savais pas que ça donnait de l'XP. J'ai pas fait attention quand je suis seul. Faire le plein. C'est remis remorque qu'il y a dans mon véhicule, voilà. Voilà. Alors du coup je sais même pas. Normalement on a pas besoin de faire la quête à deux, hein. Si t'y es déjà, normalement y a pas d'embrouille. Et par contre t'as une quête aussi qui s'appelle Faut pas gâcher, c'est ça? Ah bah c'est consiste à prendre le camion, ouais bah tu faut que tu prennes le camion, tu l'amènes chez l'autre. Non ouais, mais ça va être l'enfer. Pourquoi? Bah, de ce que je vois du camion, c'est de la merde. Comment ça? Là c'est encore une excuse pour me dire je vais le cracher alors que j'ai toutes mes roues, machin, etc. J'arrive. C'est un peu ça non? Bah c'est même pas un camion en fait. De bidouiller une excuse là. Ouais. J'arrive. Ah non! En fait, il s'explique le truc. On ne peut pas monter dedans. Mais ah, faut le tirer? Ouais. Donc j'aurais dû ramener mon gros camion, quoi. Non, on va pouvoir le faire à deux. Avec nos deux petits lents de machin, là? Ouais. T'inquiète, tu vas voir. Contre l'angle de braquage, hein. Vraiment, on sent qu'on est sur du 4x4 américain. C'est vraiment de la merde. Hein. On sent que c'est pas européen. On sent que c'est en boîte automatique, quoi. Regarde, je suis en train de le... D'ailleurs, j'aimerais bien savoir pourquoi, du comment, les véhicules en boîte automatique ont toujours des angles de braquage plus faibles que les véhicules en boîte méca. C'est surtout qu'en fait, j'aurais pu me faire une logique en me disant oui, bon, peut-être parce que la fabrication, machin, tout ça, c'est compliqué. Mais pourquoi il me dit d'aller voir la tâche là? Et là, il me dit qu'il y a une tâche là. Ah, je me vois. La tâche. Ah, c'est pour recommencer, d'accord. Donc, je suis pas loin. Oh, il y avait un petit peu de boue là devant chez lui. Le camion était content. Il a fait oui. Ok. Oh, avec les gros cailloux et tout. Un dégât de moteur. Oh, je suis en train de faire l'amour là. Je suis en train de faire de la reproduction là. Regarde la reproduction de camion, ça. Regarde de la reproduction de camion. Attends. Oui. Je vais m'arrêter ici. Regarde si toi tu peux monter dedans, parce que moi je ne peux pas. Bah, si tu peux pas monter dedans, normalement je peux pas non plus. Hop, vais changer de camion. Je peux pas non plus. Pas convaincant. Hein. Ok. Non, c'était pas convaincant. Non, on peut pas. On peut pas. Alors c'est parce que je suis pas assez reproduit avec. Attends, parce qu'il va peut-être falloir que tu prennes la relève. Hein. Attends, galère de fuel. Il marche 14 litres.
Ah mais je peux t'en remettre du coup parce que moi j'ai 35 en fait. Donc soit que tu bouges là si tu veux, dès que t'as un espace un peu dégagé, je peux me glisser à côté de toi. Ouais ouais, attends déjà là faut que je monte. Et dès que bah quoi que j'y suis, je crois. Ouais ça va faire. En vrai, je trouve ça cool, tu vois, il y a plein de missions. Il y a plein de missions. Faire le plein. Juste un coup. Cible. Bah, qu'est-ce qui me vide ? Ah, tu peux vider l'international sur toi ? Vas-y, je vais faire toi, ça. Mec. Juste vers toi, mec, en fait. Et par contre, moi, je suis étonné que tu les tires avec autant d'aisance. Hein. Ça se fait plaisir. Attends, quand tu tires un véhicule, que ce soit le sien ou pas, il te suit, il s'allume et il oui, te suit. Oui, d'accord, oui, c'est, oui, c'est vrai que c'est toujours plus simple parce que, mais c'est vrai que la remorque de carburant, on est chier pour ça. C'est de la merde. Il est vivant en fait, il est considéré comme étant vivant. Il a toutes ses dents. Et puis c'est surtout qu'en fait, tu t'en rends pas compte, mais t'as un monstre. Son véhicule, c'est un monstre en fait celui-là. Oh non, mais de ouf! De ouf! C'est. Il y avait à moitié de la boue de la terre, let's go! C'est ça. Je suis plus fort que toi. What else? On a une remorque de réparation perdue. Aller chercher au top, c'est du côté de l'usine dans les quêtes actives. C'est pas à côté. Mm-hmm. Sinon, après, c'est à me dire s'il y a des choses en particulier. Je vois qu'il y a un truc coincé dans la montagne là. Ce qu'on peut faire. Il y a les deux chutes de pierre, on pourrait aller chercher des canons pour en gros bricoler les deux chutes de pierre. Hein. C'est dans des lieux de merde, et c'est pas des lieux qu'on va emprunter. Ouais, mais on peut se débloquer des lieux pour le complétionnisme, mais bon, oui, il y a peut-être d'urgence. Quoi. Y a pas. Ce qu'on peut faire, là je suis dans les missions générales. On peut aller. Ah ouais. Alors. S'il faudra qu'on débloque des dépôts de chutes de pierre. De quoi ? Faudra qu'on fasse une des deux chutes de pierre. Pourquoi ? Il y a la remorque ? Pour l'émission Blackbird. Petite remorque de scout ? Il y a une petite remorque de scout qu'on n'est pas allé pêcher. C'est dommage. Hmm. Parce que je suis sûr qu'avec cette petite remorque de scout, on peut transporter juste ce qu'il faut pour déblayer les chutes de pierre. Non. Ah, ça prend d'autres places. Non, parce que je serais bien les gratter. En vrai, mec, il reste deux tours de guet. Qu'est-ce qu'on en dit ? Et moi, surtout, ce que je vois... après, là, je suis dans l'émission. Je regarde. C'est soit on peut faire l'approvisionnement de la base polaire, qui nécessite de transporter 4 briques, une poutre de métal et 2 de carburant. Mm-hmm. Donc là, il faut sortir les remorques. Hein. Là, faut sortir un camion avec une remorque. Plus que ça, parce que toi, tu peux transporter que 2 trucs. On est d'accord ? Sur ton plateau. Mais... Ouais, mais comment ce que je veux dire, c'est que on peut comment dire, le carburant, tu peux faire deux allers-retours. Un aller-retour rapidement. Enfin, ce qui est chiant, c'est les 4 briques. Faut juste faire les 4 briques d'un seul coup. Ouais, mais autant qu'on se prenne deux remorques, et puis il y en a un qui part avec juste de carburant et une poutre en métal, et puis basta quoi. Donc ça marche aussi, tu vois. Et on part, on fait qu'un seul tour. Ou t'as peur que ça se galère trop? Sinon, on peut faire les fournitures de forage. Un conteneur de fret, c'est un tuyau. Moi, je te cache pas que tant qu'être en bagnole, je serais bien les faire les restes des missions bagnole. Et donc, je serais bien les faire les deux tours de guet. Comme ça, on termine, il reste 12 minutes à peine. On termine sur les deux tours de guet et on n'en parle plus. Et on a la full map révélée. Donc, on part à fond la caisse là, à gauche, on redescend, on prend à droite. Moi, je vais faire directement un saut au garage et je vais longer la pipeline pour avoir celui de la droite là, celui de la base polaire, justement. Vas-y. Et moi, je vais aller chercher celui qui est loin, donc je vais repartir de là. Avant que tu fasses un saut à la base, file-moi ton carburant. Ouais, bien sûr. Hop, attends. Activer. Faire le plein. Voilà. Merci. Comme ça, moi je peux partir. Je me fais récupérer, boum. Oh, c'est tellement. En vrai, je suis désolé, mais la récupération, c'est tellement la triche. Tu vois, c'est comme en abuser tout le temps, quoi. C'est. Vous en faites un plan ? Bah non, en fait.
Mais y a plus ce petit côté de Mudrunner où t'étais obligé de placer des remorques de carburant, de passer par les stations et tout. Là, y'a plus. Là, c'est aux elfes, me faire récupérer après, gratos. Quoi. Après, le jeu est vachement plus pute aussi sur tout le reste. Hein. Comment ça? Bah là, les missions, faut traverser toute la carte pour les faire. Et t'as qu'un seul garage. Ouais, t'as quand même beaucoup de routes, hein. Je rappelle que dans Mudrunner, les routes, ça n'a été inventé qu'à partir des DLC américains, avant il n'y en avait pas. Hein. Ouais, mais, ah. non, mais ce que je veux dire, c'est que... Et même les boues, elles sont relativement confortables. Je veux dire, regarde, tout début, dès le début, on te file un camion qui roule plutôt bien. Hein. Mudrunner, tu commences les premiers camions, les B66, ils sont très bien. Dès que t'as du bois dessus, c'est fini, t'es enterré dans la terre. T'es enterré dans la boue, mon gars. Tu pédales dedans. T'es obligé de nager, c'est là que j'ai inventé la technique de la natation, là. Avec le camion. Donc là, mon projet à moi, c'est de suivre la pipeline. Suivre la pipeline. Est-ce que c'est intéressant que je la suive comme ça pour l'instant? Ouais, carrément. Il reste dans la boue, toi. T'as le jeu qui est là et qui te sort. J'ai de la boue, je vais t'arrêter. Et ton véhicule qui fait un bond par-dessus. Et qui se régale, hein. Il arrive même plus à rester stable sur la boue tellement il se régale trop quoi. Il y a un peu de boue, c'est dès que je sors de la neige vite fait parce que je suis obligé de bombarder dans la neige. Je sors un peu de la neige vite fait que je me retrouve dans la boue, il fait yeah et il ressort tout de suite. Trop content. C'est le B66 du jeu en fait. De l'autre. Oh là, petit freeze. Ah. Je sais pas à quoi c'est dû ces freeze. Je sais pas si c'est du chargement, du refresh, de la sauvegarde. Je pense que c'est ta sauvegarde. T'as une sauvegarde auto toutes les 5 minutes. Toutes les 5. Ah bah oui, regarde, oui, j'ai le logo de sauvegarde à droite. C'est ça, en fait, c'est un pré-freeze de... avant qu'il se mette à sauvegarder. Ouais. C'est exactement ça. Parce que moi, okay, je l'ai quand je suis tout seul, mais quand je suis avec toi, j'ai pas ce freeze là. Oui, mais par contre, je te préviens quand même, parce que même si tu l'as pas, c'est un coup à te faire téléporter ou à te retrouver dans un décor que t'avais pas prévu. Ouais. Et à te faire one shot pour rien. Ça ne change rien en fait. Oh, c'est comme ça. Oh, je suis la mec qui a essayé de passer en première différentielle. Ouais, c'est par où t'es passé? Bah, je suis En fait, j'ai suivi la piste en. Ah coup. Ouais. Et puis là, d'un seul coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais cut et puis je vais suivre la pipeline. Ah, est-ce que je vais l'avoir dans l'os? Ce serait rigolo ça. Oh, c'est de la merde là où je passe. Regarde, on arpente la route. T'es où là? Côté d'une station essence. Il y a l'air d'y avoir beaucoup d'eau là. Oh non, ça va. Ok, je me suis plaint pour rien, c'est des cailloux sous l'eau. Ça va. Ah, par contre, ça passe pas en camion. Là, je peux pas passer sur la pipeline là. Si. Oh, oh, 1 million de dégâts de moteur. Non, salaud. Bon, d'accord, c'est bon, j'ai compris, je passerai pas sur la pipeline. La lightbox de la pipeline, elle est mal faite. Et en plus, le pire, c'est quand ça touche ton toit, ça te colle des dégâts de moteur direct. Waouh. Et genre masse, hein. J'ai pris masse dégâts, mec. Alors que j'y suis allé vraiment doucement, j'ai pas foncé comme un gros sac. Hein. Ouais, c'est parce que le véhicule, il a essayé de pousser ton véhicule sous le sol, en fait. C'est ça. Ah, mais il y a une tache paumée au milieu de nulle part, là. C'est rigolo. Et il y a une piste de plein de taches paumées au milieu de nulle part. Attends, elle est où Ah ouais, en fait, je me la suis mis dans l'os au calme, hein. Pourquoi? Je suis pas du bon côté de la pipeline, je vais me retrouver à devoir mettre les pieds dans l'eau. Oh par contre, mec hein, vous avez trouvé une petite pièce hein. Si j'y arrive là, on a une petite pièce hein. Petite pièce de customisation, amélioration, bien t'as vu hein. Ça? Bah le long de la pipeline. Là où je suis là actuellement, tu regardes sur ta carte là tout de suite maintenant. Et en fait, juste avant d'atteindre l'usine là où ça se rétrécit un max et où ça devient de l'eau. Il y a une bagnole échouée avec bah, une petite pièce à récupérer. Emplacement d'un milieu découvert. Nouvelle récupérée. Tu me diras si ça récupère pour toi. Donc c'est la. Non. C'est le Westline V16 modèle 2300. Est disponible à l'achat. Aussi. Moi voilà, aussi, bah, voilà tu vois, parce qu'on est en coop. Normalement, toutes les missions, ça se récupère à deux, il n'y a pas de problème. Donc tu vois, tu l'as aussi du coup. C'est bien. Ah, c'est cool ça. Donc je te les récup, ça fait plaisir. Oh, trouver une nouvelle remorque à carburant. Alors, refait ou pas? Franchement, meilleur deal. Par contre, les caméras, merci.
Caméra 1, caméra 2. Ah, caméra quoi, tu casses les noix. Oh, caméra, tu casses les noix là. Oh, j'aime pas trop. Hop, 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 hop. Il y a beaucoup d'eau ici. Il y a beaucoup d'eau et ça fait pas assez de pastis, mon gars. Ah oui, mais d'accord, à partir de là, c'est mort en fait. Ah. Non, ça passe, t'as un snorkel. Tant que ta cabine est pas sous l'eau, ça passe. Bah ouais, le problème, c'est que je viens de voir le dénivelé. J'ai fait en fait, dès que tu sors du gros galet là. Ouais, le snorkel il dépasse pas là. Contre la montre ici. Ah, intéressant. Hein. Si tu as... Et d'ailleurs, si tu l'as fait, finalement, ça me l'a fait pour moi aussi en fait. Non, j'ai pas gagné d'études. Bah oui, mais parce que tu l'avais déjà faite de ton côté. Non, c'est vrai que t'as rien gagné toi. Parce que la plupart des missions qu'on a fait ensemble, les trucs des conteneurs, je l'ai faites et pourtant j'ai eu les thunes. Ouais, mais quand on les avait commencé, t'avais pas encore fait ta partie solo. Si. Je l'avais fait moi, tu m'avais déjà trahi comme ça là. Oui, les conteneurs, je les avais fini, j'avais cherché la suite. Non, non, je touche l'argent des missions. Mais l'argent des défis, c'est chacun pour sa gueule, je crois. Ok. J'affiche une tâche. Ah. Un Hummer englouti. C'est quoi le but de la tâche? Faut trouver un Hummer H2. Et il y aura 1500 balles et 180. J'accepte. C'est accepté. Ah, Hummer ici, englouti. Ça, juste un truc. Remorque à quoi? À carburant. Hummer englouti, il est parti où? Bah, le Hummer, il est à côté de toi, le Hummer. Faut juste que tu le sortes en fait. Mais non. Si. Comment ça, il est à côté de moi? Bah le Hummer, il est en face de toi, gros. Oh. Faut que tu sortes de l'eau, ah tu ouais. Ramènes ton parking. Attends, vas-y, je vais sortir de là. Sache juste que la route que j'emprunte n'est pas praticable pour les camions, pas suffisamment large. Ah par contre, je colle des dégâts. Pas drôle, enfin, qui est au camion ou à toi? Au Hummer. Ah ouais, mais c'est parce qu'il est englouti en fait et que c'est son moteur qui prend des dégâts. C'est comme quand c'était sous l'eau, le véhicule se casse jusqu'à ce qu'il soit pété. Il faut que je l'amène où? Propriétaire d'une usine locale. Ah, il faut que je la ramène jusqu'à l'usine là. Connard. C'est pas conduire, t'as des marteaux pour le récupérer. Clé. Il va rouler en marche arrière hein, le con. Que je le mette à l'endroit. Ouais. Tour de guet ouverte. Félicitations, monsieur. Faut que je monte à un endroit. Comment ça? Il y a un endroit sur la carte où il n'y a absolument rien qui est révélé. C'est genre c'est révélé, mais tu sais, genre comme par hasard, il y a rien à cet endroit-là, alors qu'il y a un chemin pour y aller. Oui. Donc tu montes aller chercher le truc caché. Bah comme moi, finalement, j'ai trouvé le Hummer, je sais pas s'il aurait été révélé. Parce qu'il est pareil, un petit bout de piste à la con. Ah quoi, s'il y avait moyen, parce que même l'autre, il l'avait finalement montré dans le marais. Parce que regarde, il a montré, moi de mon côté, ce qu'il a montré. Non, bah si, la remorque de réparation, non, la remorque de réparation perdue, on a dû la trouver... ailleurs. Mais ouais. En plus, c'est un petit chemin de caillasse là. Pour monter. Le chemin de caillasse qui sent bon la noisette là. Ah oui, on va partir à gauche. Je vais révéler la tour de guet. C'est ok. Ah ouais, non, parce qu'après, je vais continuer dans la boue si je passe par là. Ton véhicule, c'est la boue. Ouais, ouais, mais je trame à la même heure. Mais dans le bon sens, déjà, ton beurre. C'est très bon sens. Toujours marche arrière le truc. Ouais. Ah, c'est l'enfer la caméra. C'est dommage qu'on ait pas un peu de réparation pour rien, je veux dire, le jeu. Bah, je suis monté pour rien. Il n'y a rien. Y'a même pas un petit panneau, même pas un petit panneau avec un trollolol dessus là. Non. Choqué dessus. Et faut que tu la ramènes à quelle usine?
Ah, faut que tu la ramènes au parking derrière toi, gros. Parking derrière moi? Faut que tu la ramènes à la maison. Ah bon? Ouais. Pardon? Excusez-moi. Bah, regarde. Hein. Pardon? Ah, personne, le propriétaire d'une usine locale a encore perdu sa voiture après une fête. Son numéro est tombé d'un pont suite à une erreur de conduite. Si vous pouvez retrouver la voiture et la ramener à un parking de proximité. Un garage. Mais genre, c'est forcément le nôtre. Ça peut pas être genre l'usine qui est au garage. Top. Non, non. Regarde. Ah, c'est forcément chez nous, là. Ouais. T'es en train de me dire que je suis en train de me faire chier à partir dans pas la bonne direction du tout. Oui. Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que le Hammer, du coup, va se retrouver dans le bon sens de circulation. Mauvaise nouvelle, c'est que je peux pas aller faire la tour de guet, du coup. Vraiment, je porte dans l'autre sens. Ou alors, je fais d'abord la tour de guet avant d'amener le Hammer, ou toi, tu peux aller la faire. Va chercher la tour de guet, je vais venir chercher le Hammer. Mais t'es beaucoup plus loin, espèce de con. T'es où? Mais je suis au garage, je suis rentré, je vais sortir le bandit et je vais venir le chercher. Non, mais laisse tomber, dans ce cas, je fais les deux. Mais laisse-le là où il est déjà. Ah oui. J'arrive. J'aurais une bagnole de cake, mon gars. Les gros américains là qui font semblant d'avoir du style dans des humeurs. Les machins, ils ont 3 ventilos parce que ça sert à rien. Mais il en faut faire les 3 quand même. Ouah, le pactole de neige que je viens de me prendre dans la bouche. Ah. Oh, la congère, hein, la fougère, tout ce que tu veux. Hein. Oh, on va essayer d'avancer tout doucement, quoi. Bon, on peut se remettre en automatique. Allez. Oh, il y a juste un petit virage là où il y a plus que de la neige, genre il n'y a pas de sol, il y a que de la neige. Genre sous la neige c'est de la neige, hein. Il n'y a même pas de glace, c'est de la neige. Cœur de la planète c'est de la neige à cet endroit là. Ah par contre la grosse boue très molle, quand tu te mets en 1+ là avec le blocage différentiel, le ouais, petit avant tu n'as plus rien à foutre. Hein. Je te dis, ça n'existe pas. Ce 4x4, je le trouve trop bien. En vrai, il est grave bien. Et j'avoue, il fait surtout très plaisir par rapport à tous ceux qu'on a eu dans les Mud Runner et Spitfire même de base. Où c'était vraiment de la merde. Hein, les petits soit ils s'enfonçaient dès qu'ils tiraient le moindre truc. Non, mais techniquement, on est censé avoir le Chevrolet. Bien joué. Ah, regarde c'est la quête, le tuyau perdu. Le studio pour perdu ça, il faut le tuyau perdu. Toyo. Ah, emplacement, amélioration, découvert. Ah. Derrière l'usine. Dans la juste montagne. Derrière l'usine à gaz. Tu peux peut-être aller. Non, je veux dire, peut-être aller chercher, mais t'es loin quand derrière même. Derrière le site de forage, tu veux dire. C'est dans une montagne derrière une usine. Pardon. L'usine du top là. Ah oui. Ok, dans la pompe Patrick, ok, je viens de voir. Ça me paraît compliqué là. Tout est compliqué. En fait, le problème surtout c'est qu'il faut faire un grand tour. Sache aussi que j'ai du coup je peux faire l'acquisition d'une grosse grue. Ouais. Des immenses grues portatives gigantissimes pour transporter le tuyau. Attends, parce que le tuyau tu peux pas le lever avec une petite grue. Attends, en fait mon histoire elle est possible. Comment ça? Mon histoire elle est possible. D'ailleurs pareil, il hein, y a un truc à bois là en haut dans la montagne. Mais il n'y a pas de... Aussi de conquête de montagne de l'ouest. Mais il n'y a pas de point dessus. C'est bizarre. Il n'y a pas d'événement. Alors. Tu vois conquête de montagne de l'ouest? Ouais. Il y a une petite route qui monte à un espèce de campement de bûcherons slash mine. Ah, c'est là que j'y suis allé. Ah, et il n'y a rien. Okay, c'est, y a rien. Bah super. Je me serais fait niquer aussi. Alors je peux quand même bricoler une arnaque ou deux, c'est que avec ce qui me reste. Ah, il faudrait que je traverse l'eau là en fait. Pour que ce soit rentable, il faudrait que j'arrive à traverser la flotte.
pour réussir à traverser la flotte là, ou le jeu tu vas me dire c'est du suicide? Je suis en train de me dire c'est du suicide là, mec. Ah non, non, si, si, attends, je peux escroquer un truc. Si, si, je peux y aller. J'y vais. Alors, par contre, est-ce qu'il est fait comme son prédécesseur? Et genre, je peux laisser des points partout comme ça, là. Paf, paf. Ouais, les points peuvent se suivre. Et tu peux même tous les supprimer d'un coup cette fois, au lieu de devoir les supprimer un par un comme sur la suite d'avant. Ouais, c'est bon. C'est parti. Bon, on aura fait hein, des choses en une heure. Hein. On fait toute l'exploration. Ouais, hein, t'as... l'impression d'avoir fait beaucoup plus que de se balader juste avec deux caisses qu'on n'arrivait pas à ramasser, quoi. Je suis sûr que ça va leur avoir manqué les accidents de camion avec le chargement qui disparaît et tout. Ça commence à devenir des PGM un peu. Oh, comme un mode runner. Que j'ai d'ailleurs toujours pas fini, parce qu'il faut que je finisse le dernier défi. Pas terminé. Moi je t'avoue que moi je me suis pas lancé dans les défis. J'ai genre un peu eu la flemme. Je ferais peut-être les défis de SnowRunner. Il y en a un qui a l'air suffisamment con pour moi. Surtout que SnowRunner ils sont pas toujours très rigolos. Hein. Sans SnowRunner, ils ont pas l'air non plus rigolos parce que c'est récupération interdite. Hein. Ouais, après, je dirais c'est normal. Ouais, ça fait. Je suis même étonné qu'on puisse pas lancer une campagne genre en mode hardcore avec pas de récupération ou récupération payante, tu vois. Parce que je suis choqué. Je suis sûr qu'on pouvait, mais qu'on l'a pas vu. On a pas proposé au niveau de difficulté. Ah ouais, bah, je l'ai pas vu une seule fois. Hein. Le niveau de difficulté. Non mais ça c'est la tour radio, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je suis allé à la tour radio. Abrutiman. C'est pas grave, on met moi un marqueur là. Un marqueur là. Et on va essayer de couper à travers ça pour aller là. Voilà, ça me paraît très bien. Je vais jusqu'à la radiale, je vais prendre la quête de la radio, ce sera fait. Hein. Ok, ça accepte, voilà. C'est strict légal de faire ce que je fais. Bien sûr que. On va récupérer celle-là aussi. Même l'arpent de vie, c'est-à-dire que je peux abuser. Ouais. Vas-y, complètement. C'est très ok. Voilà, tu m'engueules pas à 5 000 000%. Non, non, c'est bon. Vas-y, abuse. Profite que je regarde pas et que je vois pas ce que tu fais. Parce que là, tu vas me détester. Je vais revenir, il aura revendu le garage, il aura fait tourner 4 camions, il aura le feu partout, je vais faire. Mais qu'est-ce que t'as branlé? C'était même pas dans les mécaniques du jeu de base. Oh, cette montée de montagne là. Comme si elle n'existait pas. Hein. Une chanson par Khaled là. Oh non! Oh non la baise! Oh non la baise! Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis retourné parce que parce qu'il a décidé de s'accrocher. Ah bah je vois l'objectif, hein, à 20 mètres de l'objectif. Ah ouais? Mmh. On en est là. On en est complètement là. Je suis bien deg. Bien deck parce que je l'avais en plus, hein. J'étais pas mal là, vraiment. Si tu regardes où est l'objectif, si tu regardes où est mon véhicule,
T'auras tout vu quoi. Oh non, c'est de la merde ce jeu. T'es où toi? T'es en train de faire quoi comme escroquerie là? Alors, rien, rien, t'inquiète. Bon bah du coup on va. Mais il y a une amélioration aussi pas très loin de toi là. Tu l'as prise celle-là je crois, déjà. Non, j'en ai une là, elle est toujours sur la carte, donc non, elle est pas prise. Si elle est toujours sur la carte, c'est qu'elle est pas prise. Oh, j'ai réussi, Pog. Je suis le plus grand génie du monde. Le mec, il en peut plus, quoi. Oh, ça a marché. Bah, GG. C'est pas ce que t'as fait, mais... GG. T'as peut-être l'expliquer bah, pour YouTube. Tu vois le humeur mm-hmm. C'est chiant, je le dirais. Non. Alors peut-être parce que t'es un gros, mais moi avec mon petit ça se passait très bien. On ouais, marche arrière en plus. Qu'est-ce qui se passe si tu n'as plus à le tirer? Ah, tu l'as mis sur ton plateau? Ouais, je l'ai attaché dans mon plateau. Et du coup tu peux le charger? Il est chargé, je crois. Formidable. Parce que je me balade avec sur mon dos là maintenant. Formidable. En vrai je trouve ça vachement intéressant que tu joues là des panneaux comme ça. Et que le jeu te laisse charger surtout. Mais tu pouvais le faire aussi dans... Madrunner. Ouais mais là il est attaché. Sauf que dans Madrunner tu t'en servais pas. D'accord. C'est un mensonge. Ah par contre il y a du poids. Non mais non, je veux dire dans Madrunner t'avais pas d'utilité de t'en servir jamais. Tu prenais ah, oui. que des gros poids lourds et Osef hein. Pff, tu te travaillais jamais de petit tu vois. Le faire et d'ailleurs dans un de mes défis qui reste il y a entre autres ça il faut charger un truc sur toi, il faut se mettre en mode méga OZF quoi, quasiment quoi ta mécanique dont on ne servira que dans le jeu suivant parce que je dis meilleur que le précédent ouais qui était des jeux en même temps c'est normal le mec a une vraie évolution de son jeu. C'est la seule fois où on a gueulé, c'était quand il est passé de Splinter à Splinter Mud Runner, c'est un peu dégueulasse et... En plus, il fallait racheter un jeu pour avoir exactement le même jeu. Et le pire, c'est que c'est même pas exactement le même jeu, parce qu'ils continuent à développer des trucs. Il y a encore des DLC qui sortent hein, régulièrement sur Splinter de base. Ah bon ? Ouais. Ouais, ouais. Et des trucs ouf, genre au Japon, etc. quoi. Et qui sortent des vrais DLC, quoi. C'est incroyable. Ça a l'air d'être un peu sa boîte d'essai. Monsieur, surélevé ! Disponible à l'achat. Oh, bien joué. Voilà. Donc là, du coup, pour récupérer mon truc, je pense qu'idéalement, voilà, je fais une petite. Traverser de la boue là. Tac, tac. On remonte toute la route. Par contre, en fait, c'est là que tu te rends compte que la petite grue, elle arrive au bout. C'est que j'arrivais pas à sauver le meurtre. Bonjour. Tu me vois ? Ah ouais, salut. Lui aussi, non ? Je te voyais pas dans le noir en fait, j'avais pas tes phares. Ah ouais, parce que je suis en feu de pause. Je suis pas en gros feu. Là, je les vois tes phares. Mais du coup, j'ai le camion sur mon dos et ça, c'est cool. Et genre, il y a vraiment des cales et tout en dessous. Sous les pneus, pour que le véhicule ne bouge pas. Et là par contre il nous a fait une sauvegarde mais sans le freeze. Genre j'ai pas freeze du tout. Parce qu'on était à côté. Okay. Ah. Et complètement. Okay. Ok. Parce qu'il sauvegarde aussi les traces que moi je fais dans le terrain. Ouais bah oui. Toutes les déformations du terrain. En vrai il y a un certain goût. Ouais. Peut-être le seul truc sur lequel je vais gueuler, c'est que tu sais les petits pixels de boue que tu projettes et tout. Ouais. C'est toujours de la merde. Ouais, bon, c'est ce qu'on peut vraiment lui en vouloir. D'ailleurs, le mec a dû économiser tellement de ressources à garder quelques petits effets très simples comme ça.
vraiment le tout ce qui est super lourd dans ton véhicule, quand c'est posé dedans, tu le sens tellement. Ouais. Allez, j'ai la mission. Ceci était un mur pour 6 points de dégâts. Et même le bandit il tourne plus quand t'as le gros truc à l'arrière. Ah ouais, ouais. Oui parce que le plateau t'empêche de tourner convenablement. Ah récompense. Hummer. Je dormais. Ouais. Moi du coup il faut que j'aille chercher. Ah il y a des fournitures abandonnées là aussi dans l'eau. Hein. Je remarque ça, il me semble. Non. Je sais pas, il y a juste écrit fournitures abandonnées. Je sais pas ce que c'est. Ah oui oui oui, c'est une remorque à récupérer dans l'eau. C'est un peu, je l'ai fait et c'est un peu chiant. Je vais peut-être pas y aller avec ce véhicule. Ils font un camion qui est vachement haut. Ouais. Comment? Peut-être pas y aller avec ce véhicule là. Ouais d'accord. Non, tu passeras pas dedans. Bah tu pourras rouler mais tu pourras pas l'attirer quoi. Ah, on a un véhicule qui est coincé dans la montagne aussi, qui a été révélé à côté des chutes de pierre. Ok, bah moi je vais juste essayer d'aller chercher l'Amelio, la fameuse. Je suis plus très loin en vrai. Assez rapide. Et je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Ouais. Déjà presque, ça fera une vidéo d'une heure et demie, hein, évidemment. On n'aura pas du tout tenu les objectifs. Normal. Okay. C'est bon, de toute façon, on est troisième vidéo là. Mais bon, on fout. Ouais. Il y a déjà plus que les vrais qui regardent, hein. C'est-à-dire, personne. Ça intéresse déjà plus personne, c'est formidable. Tu peux juste attendre que je décharge le. Oh bah t'as tout ton temps mec hein, j'en ai pour 10-15 minutes là. Je pense. Et après il roule vachement bien. Hein, parce que du coup je vais essayer la vraie grue. J'ai investi dans la vraie grue. Attacher la grosse. Ouais. Ok, c'est pas du tout le même jeu. Ah ouais. L'arrière de mon camion est surélevé un petit peu. Il est surélevé. C'est pas comme l'autre, c'est genre. Ouais, lol. Je trouve vraiment que l'effet de quand t'es dans la neige, là, tu te fais happer par la neige, je trouve ça ouf à quel point c'est bien fait. Je vais prendre tout de suite la mission de l'usine, tiens, puisque j'y suis. En fait, j'en profite, je ramasse toutes les quêtes, donc je passe à côté. Je fais une Skyrim, je crois. Ah bah non, on l'avait déjà celle-là, il faut amener la remorque de réparation. Okay. Du coup, est-ce que cette grue a vraiment plus de puissance? J'ai vraiment fait ce choix là. C'est vraiment la vie que j'ai choisi. Dirait le vieux monsieur. Cette grue a vraiment plus de puissance. Enfin, je balade le Hummer au bout de la grue. Et le camion ne se penche pas. Faut que tu viennes voir ça. Mais sérieux! Mais vraiment ce jeu de con! Tu es retourné? Ouais, mais en fait, encore à cause d'une vulgaire branche de sapin à moitié fantôme qui te la met à l'envers et qui te fait dope en fait, ici tu vas pas passer. J'ai décidé que dope, et donc nope. Je vais me mettre en boîte auto hein, parce que c'est là que j'ai une meilleure gestion. Je vais pas grimper vite, mais j'ai une meilleure gestion de marche avant, marche arrière. Quoi. Putain, cette branche de malheur quoi. C'est bon, il y a pas de branche dangereuse là. C'est bon là. On va monter de travers un peu s'il faut. C'est bon, il n'y a pas de branche rangeresse. Et on écrase un petit sapin. Moi je regarde.
regarde le gameplay de Narfang à travers la carte. Un Het 8 chevaux là, 6,2 amélioration obtenue, monsieur. Disponible à l'achat. Ah, c'est un moteur. Ouais, c'est un moteur. Le du coup, je t'encourage à revenir au garage pour montrer la screen de la fin. Remorque de réparation perdue. Ah. Ouais, mais je pense que je vais pas revenir au garage. Mais tu parce peux, que je suis pas très loin laisser... de la remorque de réparation, en fait. Tu peux laisser ton hummer là, par contre, et revenir au garage et ressortir avec un truc de merde. Bah, je peux prendre le hummer 2, en fait. Voilà. Oh, j'ai éclaté le hummer qui était au bout de ta grue. Ah bah yes. Ouais, tu me soulèves. Soulève-moi, bro. Est-ce que je peux, au moins? Soulève-moi comme si j'étais ta mère. Mauvaise idée. Tu t'en tueras jamais. Ah. Bah alors. Je n'ai pas le droit de te soulever, apparemment. Oula. Je n'ai pas le droit de te soulever. Interdit, mec. Attends, ouais. je vais changer de camion. Mais voilà, cette grue. Et ça me permet d'attacher une grosse remorque par contre derrière. Ou une autre remorque. Mais pourquoi j'ai 500 camions? Bon, c'est pas grave, prenons ce camion là. Ah non, je suis pas loin. Et si c'est le B17? Est-ce qu'on va sortir le garage avec le B17? Hein? Tu vas? T'es où? Moi? C'est de l'autre côté en fait. Mais je range mes véhicules avant que tu décoffres. Ah oui, non, mais attends. C'était pour que je vienne avec un camion pour que tu montes. Je suis pas jeune. Ah bah j'arrive, tu l'as rangé le hummer? Ouais bah c'est pas grave, vas-y, sors un hummer. Sors un hummer, c'est bon. J'ai pas le hummer il est à toi. Hein. Ah il est à moi le hummer. Ouais. Ah bah cher. Sinon j'ai un gros camion si tu veux le soulever. Vas-y. Au revoir. T'es de quel côté du garage là? J'arrive. Ouais, vas-y, j'arrive. Vas-y on arrive, viens, vas-y, regarde là, on se voit là, je suis là. Il soulève moi mais je peux pas te soulever en fait si t'es dans le véhicule là, je peux pas te soulever. Attends, par contre je vais les soulever l'autre. Je suis pas sûr que je puisse en vrai. Il doit être trop lourd. Ah bah c'est fini pour moi. Ah tu t'es retourné? Bah non, je vais détruire mon moteur. Ah bon bah je pense qu'il y avait rien avant, c'était bien. J'ai roulé sur le pylône vengeur et ça m'a one shot le moteur. J'ai envie de te dire cher. Donc je vais récupérer mes véhicules. Et oui, et aussi une astuce que j'ai pour ceux qui débuteraient et qui regarderaient, on sait jamais et qui sont toujours rendus à la fin de la vidéo. c'est que tu fais carte globale. Eh mais c'est mon bandit ça. C'est tard. Oups. J'ai pas fait exprès. Est-ce que j'allais le ranger? Merci. Qu'est-ce que t'es en train de faire avec? Rien du tout. Quoi qu'il en soit, bah des bisous YouTube en fait. Adieu YouTube. Adieu.